rendre compte de ce conseil avant de répondre à vos questions. Donc nous avons tenu un conseil européen marqué par deux sujets principaux. Le premier, c'était évidemment la question du Brexit. Boris Johnson et Michel Barnier et Jean-Claude Juncker ont présenté l'accord conclu ces dernières heures. Comme vous le savez, nous avions fixé, à la demande d'ailleurs de la France particulièrement, une date limite, celle du 31 octobre, pour finaliser les discussions et trouver un accord à la fois sur les modalités du retrait et la déclaration politique sur les relations futures. Cet accord, après plusieurs semaines de discussions additionnelles, a été trouvé. Il s'agit d'un bon accord, respectueux du cadre que nous avions fixé et de nos principes, qui était pour ce qui nous concerne tout à la fois la préservation du marché intérieur et la stabilité de l'Irlande. La déclaration politique qui définit les grandes lignes de notre relation future garantit aussi un cadre clair, un accord de libre-échange qui devra être négocié en détail et des engagements de concurrence équitable qui seront la condition de l'accès à notre marché. Désormais, il convient de procéder au vote de cet accord au Parlement britannique samedi, avec des lectures ensuite qui s'effectueront lundi et mardi, et au Parlement européen en début de semaine prochaine. Et c'est seulement après ces expressions parlementaires que nous pourrons considérer cet accord comme définitif. En tout état de cause, je souhaite que nous puissions tenir les délais que nous nous sommes donnés à nous-mêmes et que la date du 31 octobre soit respectée. Je veux ici saluer le travail de notre négociateur Michel Barnier et de son équipe. Saluer également l'engagement de Jean-Claude Juncker. Ils ont défendu, durant de longs mois, dans l'unité, à la fois avec fermeté et bienveillance à l'égard d'un pays allié et ami, les intérêts de l'Union européenne. Et je pense que ce que nous avons réussi à obtenir et la méthode qui a été tenue, y compris dans ces derniers jours, était extrêmement importante, qui était celle de cette unité constante. Deuxième grande série de sujets que nous avons évoqués lors de ce Conseil, c'est en quelque sorte notre avenir à 27. C'était le sens de la présence de la présidente élue de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, tout au long de ce Conseil européen. C'était l'objet de notre discussion de ce matin sur l'agenda stratégique pour les 5 années à venir, dans lequel nous nous retrouvons pleinement, j'ai eu l'occasion de le dire, et dont les thématiques les plus structurantes correspondent à celles que nous avons porté, l'ambition climatique d'abord, avec la neutralité carbone, la définition d'une taxe carbone aux frontières, d'une banque du climat, la définition d'un modèle économique et social qui passe par la défense d'une assurance chômage au sein de la zone euro, un salaire minimum pour les pays européens, mais également d'une Europe plus souveraine avec une politique de défense, de sécurité, d'asile et de migration, enfin rénovée, plus efficace et qui répondent aux défis contemporain. Je ne reviendrai pas en détail sur cet agenda, il a donné lieu à une expression du Conseil. Il a surtout été présenté par la présidente lors de son discours devant le Parlement et largement détaillé. Et il a notre plein soutien. En lien avec ce projet politique, c'était aussi le sens de notre échange sur le futur budget européen. Sur ce point, force est de constater que le consensus n'a pas été trouvé. C'est normal, c'était la première discussion où nous rentrions un peu dans le détail. Mais là-dessus, la France a défendu, si je puis dire, une ambition cohérente. D'abord, celle qui consiste à ne pas opposer les politiques nouvelles, que seraient nos objectifs en matière de migration, de défense, d'espace, d'intelligence artificielle, où il nous faut investir pour répondre aux objectifs que nous nous sommes donnés à nous-mêmes comme pour préparer l'avenir, avec les politiques dites parfois traditionnelles, comme la politique agricole, ou la politique de cohésion. Il me semble que nous devons, au contraire, combiner solidarité et responsabilité et réussir, au fond, à travers ce budget et les objectifs que nous nous assignerons, à être cohérents avec l'ambition que nous nous sommes donnés à nous-mêmes, que le Parlement a validée avec l'élection d'Ursula von der Leyen, qui est celle d'une commission géopolitique. Qu'est-ce que ça veut dire une commission géopolitique après une commission qui, il faut le reconnaître, fut politique pendant les 5 années à venir? Ça veut dire que nous ne sommes pas un espace politico-économique lâche
qui a peu d'ambition ou de solidarité. Au contraire, pour moi, il y a deux piliers. Vous m'entendez défendre depuis maintenant plusieurs années. D'une part, un pilier de souveraineté, d'autre part, un pilier de solidarité. Défendre notre souveraineté, ça veut dire se mettre en capacité de choisir notre avenir. Et donc, pour cela, il nous faut investir dans la politique agricole commune, parce que c'est la clé de notre souveraineté alimentaire. Nos concitoyens veulent choisir leur alimentation. Ils veulent qu'on produise en Europe. Ils veulent être souverains sur ce point. Investir dans notre politique migratoire, dans notre politique numérique, dans notre politique environnementale, ce sont des politiques de souveraineté. C'est choisir notre avenir, dessiner notre futur et décider que nous ne sommes les vassaux ni de la Chine ni des États-Unis d'Amérique. Et il faut investir pour cela, comme d'ailleurs ces deux grandes puissances investissent. Et de l'autre côté, nous sommes un espace où il y a des divergences, des différences sur le plan économique et social qu'il faut aider à rattraper. C'est l'objectif de ce qu'on appelle classiquement les politiques de convergence, c'est-à-dire d'une vraie solidarité. Et j'aime ce terme de solidarité parce que ça n'est pas une convergence mécanique, c'est l'idée de dire on doit aider certains à rattraper, mais ils doivent aussi s'inscrire dans cet effort de convergence. Ces fonds ne doivent servir à financer ni dumping social, ni dumping fiscal, ni détricotage de l'état de droit. Et donc, c'est pour ça que je suis aussi attaché à l'idée d'une conditionnalité dans ce cadre. J'ai aussi défendu deux autres choses. La fin des rabais. Le rabais était britannique. À partir du moment où l'État membre qui avait fait une condition, en quelque sorte, à sa participation, le rabais s'en va, il nous faut en finir avec cet élément qui est un élément d'illisibilité et de destruction du budget européen. Un budget qui multiplie les rabais, c'est un budget où chacun regarde la quote-part qui lui revient après ce qu'il a mis. C'est-à-dire tout sauf un budget. Et ensuite, l'idée d'avoir plus de ressources propres. En effet, il nous faut plus d'ambition. Chacun est aussi attaché à garder quelques limites budgétaires en son sein. Et donc, nous avons défendu l'idée d'aller vers de nouvelles ressources propres. La taxe carbone aux frontières, taxe sur le plastique non recyclable, d'autres éléments de taxation qu'on pourrait mettre ensemble, comme la taxe numérique et d'autres. Sur ce point, je considère que là aussi, nous devons faire preuve d'ambition. En tout cas, nous ne saurions valider une ambition de projet, une commission ambitieuse, si nous n'avons pas derrière un budget qui l'est tout autant et nous donne les moyens de réussir. Nous avons souhaité sur ces bases que le futur président du Conseil européen, Charles Michel, puisse poursuivre les discussions et mener celles-ci à bien pour, là aussi, avoir un budget pluriannuel cohérent, mais qui puisse être décidé le plus vite possible pour ne pas perdre de temps et d'opportunités, parce que derrière, la capacité à décider vite est importante. Au dîner, hier soir, nous avons eu plusieurs discussions sur, je dirais tout particulièrement, deux types de sujets. D'abord, sur la Turquie. Sur la Turquie, nous avons eu une discussion, d'abord, sur notre propre souveraineté. Nous avons réaffirmé notre solidarité à l'égard de Chypre, du respect de la zone économique exclusive de Chypre, et en condamnant très clairement les incursions, provocations qui ont été répétées par la Turquie. Et bien évidemment, nous avons aussi pris une position commune, condamnant l'offensive dans le nord-est syrien, décidant de suspendre nos exports d'armes à destination de la Turquie. Nous continuerons là aussi de nous coordonner très étroitement, nos ministres des Affaires étrangères, mais nous avons aussi décidé avec le Premier ministre Johnson, la chancelière Merkel, de pouvoir, dans les prochaines semaines, voir le président Erdogan, sans doute à Londres. Nous l'avons fait dans ce cadre à trois Européens, qui est aussi un élément pour remettre en cohérence ce que peut et doit être l'OTAN dans le moment où nous vivons, puisque je rappelle, pour quiconque l'aurait oublié, ce qui ne serait pas totalement illégitime dans la période, la Turquie est membre de l'OTAN, ce qui, là aussi, normalement, devrait conduire à certaines formes de solidarité. Et donc, nous aurons cette initiative commune, en même temps que nous continuerons de nous coordonner sur les contacts que nous allons avoir dans les prochains jours avec les présidents Erdogan, Poutine, Trump, tout particulièrement. Je pourrais revenir là aussi, dans le cadre des questions, sur ce sujet. Nous avons également eu un long débat sur l'élargissement hier soir. Et je crois que nous devons, sur ce sujet important, garder là aussi l'esprit de sérieux et de mesure. Moi, je crois, je l'ai plusieurs fois dit, à une Europe forte, une Europe souveraine. Mais je crois aussi à une Europe qui est cohérente et responsable. Les pays des Balkans, y compris la Macédoine du Nord et l'Albanie, mènent des réformes importantes. On conduit parfois des transformations profondes, avec beaucoup de courage. Et je veux saluer ici le courage, en particulier, de Zoran Zaïev, qui a
fait les changements constitutionnels et un changement de nom qui était extrêmement difficile à faire et qui faisait partie des demandes. Mais très clairement, plusieurs pays étaient réticents à ouvrir aujourd'hui les négociations. La France a fait partie de ces pays de manière très claire. Non pas pour dire des efforts n'ont pas été faits, les progrès ne sont pas là. Pour dire d'abord, tous les progrès demandés ne sont pas là. Et nous avons encore des problèmes, là aussi je pourrais y revenir, des incohérences, des situations qui ne sont pas maîtrisées avec certains de ces pays, sur le plan migratoire entre autres, et sur le respect de toutes les règles. Mais surtout, et je dirais plus profondément, la discussion pour moi hier a été extrêmement instructive sur la vision que chacune et chacun peut avoir de l'Europe. D'abord, moi je ne considère pas que la seule relation que nous devons avoir avec notre voisinage soit une relation d'expansion, d'élargissement. Nous serions la seule puissance au monde qui considère que la politique de voisinage, c'est de proposer d'adhérer. Et on s'est collectivement inscrit dans cet esprit, qui est étrange. C'est étrange. Ça ne fonctionne pas très bien à 28, ça ne fonctionnera pas très bien à 27. Je ne suis pas sûr que ça fonctionnera beaucoup mieux quand on aura élargi. Donc, je le redis, avant tout élargissement effectif, là, il ne s'agit que de commencer les négociations, soyons lucides. Mais avant tout élargissement effectif, sachons-nous réformer nous-mêmes. Et à ceux qui me disent, vous allez simplement ouvrir la porte à un début de négociation. Ça prendra 10 ans, 15 ans. D'abord, je leur dis, ça n'est pas une bonne méthode. Parce qu'on nous dit, si vous n'ouvrez pas aujourd'hui, mais le mois prochain, vous allez désespérer ceux qui ont fait des efforts. Pensez-vous que dans 5 ans, on ne va pas nous dire qu'on les désespère à ne pas ouvrir tout de suite? Cette fois-ci, l'adhésion et plus la négociation. Mais surtout, je regarde aujourd'hui notre rythme d'avancée de l'Europe. Nous avons vécu une crise en 2008. Si je suis, malheureusement, les décisions aujourd'hui retenues au sein de l'Union européenne et de la zone euro, nous aurons finalisé une véritable union bancaire en 2028. Voilà. Quand on a une crise potentiellement mortelle, on met 20 ans à se réformer. C'est ça, aujourd'hui, notre fonctionnement. Donc s'il n'y a pas un moment, un réveil collectif, on ne peut pas faire rentrer, même dans 5 ans ou 10 ans, d'autres membres. Nous ne sommes pas au bon rythme. Et donc, il nous faut d'abord et avant tout nous interroger là-dessus. Et je ne céderai pas sur cette volonté d'ambition. Et je pense que si nous validons en particulier vraiment l'agenda de la Commission européenne, alors nous pouvons nous interroger. Là, je parle plutôt pour les adhésions à venir, mais sur ce processus. Ensuite, deuxième élément, la nature du processus d'élargissement ne me semble plus adaptée. D'abord parce qu'elle est au fond très bureaucratique. L'accord politique, il est au début et à la fin. Il ne parle plus au peuple. Je vous invite à aller voir la situation des pays qui ont commencé des discussions sur l'élargissement. Le fil est ensuite rapidement perdu. Et ceux qui disent, si on n'ouvre pas les négociations, vous allez voir la Chine, la Russie, la Turquie avoir de l'influence, je les invite à aller dans les pays où la négociation a été ouverte. Ce n'est pas que les grandes tours avec des industriels français, allemands, italiens qui sont faites. Cette influence est là, dans la région. Je crois plutôt que nous n'investissons pas assez, nous, de manière coordonnée. Ce n'est pas un processus d'élargissement, c'est un choix d'investissement en matière économique, éducative, linguistique, culturelle dans ces pays. C'est un agenda stratégique qu'il faut avoir, avec des partenaires, pas forcément des futurs membres. Et puis surtout, cet agenda d'élargissement n'est plus adapté, il n'est pas assez différenciable et différencié, il n'est pas assez politique à des moments, pour moi, du processus, et il doit être clairement réversible. Sinon, il n'est pas crédible. Et donc, je souhaite, avant que nous ouvrions à de nouveaux États membres, qu'on fasse cette réforme qui est demandée depuis des années par plusieurs États membres. Je le dis parce que, sinon, le jour où on commence la négociation avec la procédure actuelle, on nous dira que ce ne serait pas correct de changer les règles du jeu alors qu'on a commencé de discuter ensemble. Voilà quelques-uns des points. Je pourrais y revenir dans le cadre de vos questions, mais je crois que si nous voulons véritablement être une puissance, être cohérent avec nos ambitions, être respectueux aussi avec celles et ceux qui veulent se tourner vers l'Europe, il nous faut avoir une union réformée, un processus d'élargissement refondé, une vraie crédibilité et une pensée stratégique de ce que nous sommes nous-mêmes, de notre rôle et de la région. Voilà les quelques points que je souhaitais faire et qui ont conduit, on a un moment essayé de trouver un consensus, mais plutôt à renvoyer avant le sommet de Zagreb des décisions sur ces points. Et enfin, tout dernier point que je veux ici évoquer avant de répondre à vos questions. J'ai tenu ce matin avec la présidente von der Leyen, Angela Merkel et les représentants des trois grandes familles politiques un petit déjeuner de travail pour évoquer la mise en place de la nouvelle commission, cet agenda stratégique et les travaux du Parlement européen. Cette entente au Conseil, au Parlement européen,
entre les familles politiques qui ont su se mettre d'accord pour constituer la nouvelle équipe d'Europe et qui vont constituer la majorité d'actions de mise en œuvre du programme politique que j'évoquais, est à mes yeux indispensable. C'est pour cela que j'avais souhaité que nous puissions nous réunir sous ce format. Dans ce même esprit, la présidente von der Leyen échangera avec les présidents des groupes politiques au Parlement européen en début de semaine prochaine. Nous avons besoin de véritablement construire un pacte de responsabilité, de majorité et d'ambition, tous ensemble. Enfin, la dernière remarque que je souhaitais ici faire, c'était de rendre hommage au travail, à l'engagement européen de Jean-Claude Juncker, d'abord, à qui nous avons longuement rendu hommage en fin de matinée et qui a été un président de commission qui a fait avancer celle-ci, qui l'a rendue plus politique, je le disais, mais qui, sur des sujets de défense des intérêts stratégiques, de défense, plus largement de l'agenda sur lequel je suis plusieurs fois revenu, a fait avancer l'Europe, mais qui surtout pendant des décennies, en tant que ministre des Finances, en tant que Premier ministre de son pays, a été tout entier dévoué à la cause européenne. C'était son dernier conseil et je veux ici lui rendre hommage à la fois pour le travail fait en cette qualité et pour cette carrière tout entière donnée à la cause de notre Europe. Le président Donald Tusk achève aussi son mandat et nous lui avons également rendu hommage. Et je veux ici dire combien, en tant que deuxième président de ce conseil, il a eu également un rôle important après avoir occupé les plus hautes fonctions dans son pays. Je ne sais pas ce que, là aussi, l'avenir lui réserve et ce qu'il voudra faire, mais je tenais à rendre hommage à son esprit de consensus, sa volonté de bâtir, dans des moments parfois difficiles, un consensus et des accords. Et j'espère que les votes que j'évoquais sur le Brexit pourront parachever un travail auquel il a aussi largement contribué par son engagement. Et je veux aussi rendre hommage enfin au travail de Federica Mogherini, qui a poursuivi, là où elle était, ce travail de politique extérieure de l'Europe durant ces dernières années. Je vais maintenant répondre à vos questions. Bonjour, Michel Rose de Reuters. Une question sur le Brexit. La balle est désormais dans le camp des parlementaires britanniques, mais elle risque de revenir dans le vôtre assez tôt si le Parlement rejette le deal samedi. Quelle sera la position des 27 à ce moment-là? Vous avez semblé dire que vous teniez à l'échéance du 31 octobre. Est-ce que ça veut dire que vous refuseriez une extension à ce moment-là, alors que Angela Merkel semble dire qu'une extension serait inévitable? Et toujours sur le même thème, on a accusé les Brexiteers et Boris Johnson lui-même d'être un menteur, un bouffon, certains le présentaient comme un clown. Et finalement, il a réussi à trouver un accord avec les 27. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans les négociations? Est-ce que finalement, il est plus sérieux qu'on ne le disait? Voilà, sa personnalité a-t-elle joué? Merci. Alors, sur le premier point, je l'ai déjà dit, moi, je souhaite qu'on puisse en finir pour parler d'avenir. Je pense que le délai du 31 octobre doit être tenu. Je ne fais pas de politique fiction, donc je ne vais pas me mettre dans un cas où le Parlement britannique voterait ceci ou cela. Mais je ne pense pas que de nouveaux délais doivent être accordés. Voilà. Je pense qu'il nous faut maintenant terminer ces négociations, passer à la négociation sur la relation future et pouvoir en terminer avec cela. Et donc, mon souhait, c'est que nous puissions tenir les engagements, les délais que nous nous sommes donnés à nous-mêmes. Et ces délais politiques sont importants, y compris pour que chacun se décide. Parce qu'on a déjà dit à plusieurs reprises, un délai suppose des changements profonds. D'autre part, sur l'accord trouvé, Boris Johnson, initialement, a fait des propositions qui étaient inacceptables. Il a su bouger. Lui et son équipe, je pense, se sont appropriés toutes les complexités du dossier dans les dernières semaines. Il a négocié avec le Premier ministre irlandais. Il a négocié avec l'équipe de Michel Barnier et Michel Barnier. Et ils ont su justement rapprocher les vues en proposant des solutions techniques qui remplissent les objectifs qui étaient les nôtres, je le disais, celle de préserver l'intégrité du marché unique et la stabilité en Irlande. À partir du moment où ces objectifs que nous avons toujours définis comme non négociables, qui n'étaient pas respectés par les propositions initiales qui étaient faites par Boris Johnson, ont été respectés par ses propositions finales et qui sont le fruit d'un échange avec l'équipe de Michel Barnier, je considère qu'en effet, c'est un bon accord
Moi, je n'ai jamais utilisé les qualificatifs que vous avez repris sur Boris Johnson. Il est parfois pittoresque, mais nous sommes parfois tous dans cette condition, si je puis dire. Et donc, il a son tempérament, mais c'est un dirigeant, pour moi, qui a une vraie pensée stratégique et qui a su faire preuve d'engagement et de volonté de faire. Et donc, je crois que ceux qui ne l'ont pas pris au sérieux ont eu tort. Et ils continueront à avoir tort, d'ailleurs, quelles que soient les échéances de court terme. Bonjour, Monsieur le Président. Anthony Latier, RFI, Radio France Internationale. Vous avez récemment durci le ton sur l'immigration. Vous déplorez depuis plusieurs semaines l'augmentation, notamment des demandes d'asile venues d'Albanie. Alors, est-ce que vous assumez de bloquer tout le processus d'élargissement en cours pour des raisons de politique interne, au risque d'apparaître à nouveau isolé sur la scène européenne? À l'instant, Jean-Claude Juncker vient de dire que c'était une lourde erreur historique. Et au-delà, quel message vous envoyez aux citoyens d'Albanie et de Macédoine du Nord qui croyaient à ce processus? Alors, d'abord, sur l'Albanie, il y a un travail qui a été initié avec ce pays depuis plusieurs mois pour démanteler les filières. Ce qui est vrai, c'est qu'il est extrêmement difficile d'expliquer à nos concitoyens que nous allons ouvrir des négociations pour l'adhésion à l'Union européenne avec un pays qui est donc réputé sûr, avec lequel nous avons ouvert la circulation sans visa et qui est l'un des principaux pourvoyeurs de demandeurs d'asile. C'est exactement l'illustration de ce que j'ai dénoncé il y a quelques semaines. Il y a un dévoiement de ce qu'est la demande de procédure d'asile et il y a une utilisation par des filières et donc il y a besoin d'une meilleure coopération. Mais ça n'est pas sérieux et on va corroder l'esprit européen et notre sérieux collectif à laisser continuer des choses qui sont inexplicables à nos peuples. La France n'est pas le seul pays où ça se passe au demeurant. Et donc ça, je considère que pour moi, on l'a accepté en quelque sorte avant tout processus. Donc, je ne lis pas l'un à l'autre. Et j'assume totalement mon choix, je vais y revenir, comme j'ai commencé à le faire, mais pas du tout pour une raison de politique intérieure. Mais c'est un problème et il faut le régler. Nous ne l'avons pas qu'avec avec l'Albanie. Il y a plusieurs pays avec lesquels on a des sujets migratoires qui sont problématiques. On a de la migration sanitaire, par exemple, il y a sur la base justement de la liberté de circulation sans visa, par exemple des concitoyens aussi qui viennent de Géorgie, uniquement pour se faire soigner en Europe, en détournant totalement la procédure. Donc nous avons aujourd'hui des vraies faiblesses qui pèsent sur nos finances publiques, qui pèsent sur notre capacité à bien accueillir les combattants de la liberté, comme on appelle celles et ceux qui ont droit à l'asile, et que nous voulons accueillir mieux, plus vite et régulariser plus vite, et qui, quand on ne respecte pas les règles, quand ça ne correspond plus à nos principes, font perdre le sens à toute cette politique. Bon, donc ça, je pense qu'il faut, comme je l'ai lancé il y a plusieurs semaines en France, avoir un débat profondément dépassionné, profondément, je dirais, lucide et réaliste sur ces sujets. C'est, je crois, la clé pour essayer d'y apporter une réponse et de rester attaché à nos principes. Sinon, nous serons dans une situation insoutenable. Et moi, je refuse en quelque sorte le dialogue de sourds entre ceux qui voudraient que nous renoncions à nos principes et ceux qui sont dans un irénisme coupable, parce qu'ils pensent qu'il faudrait en quelque sorte tout accepter sans que les règles soient respectées et qu'à partir du moment où quelqu'un a le pied sur le sol français, il ne doit plus être reconduit chez lui et tout a la même valeur ou le même statut. Ça n'est pas vrai. Bon. Ça, c'est le sujet qui existe avec l'Albanie comme d'autres, que je veux que nous réglions, mais qui n'est pas la principale motivation de la position française. Ensuite, par rapport à ce que vous avez dit, d'abord, j'assume totalement sur certains sujets de porter une voix qui n'est pas la voix majoritaire. Sur le délai donné pour le Brexit, à un moment donné, j'étais seul. Je ne crois pas que j'avais tort. Et je ne crois pas que nous aurions aidé à avoir une solution britannique plus rapide si nous avions donné des délais, si nous avions en quelque sorte accepté l'absence de délai. Donc pardon de ne pas toujours céder à la tyrannie de la majorité ou à la pression de la bulle, mais j'essaie de faire les choses que je crois bonnes sur le plan politique et stratégique. Sur l'élargissement, moi j'ai écouté hier les positions. J'ai un désaccord de fond avec ceux qui pensent que l'élargissement est en quelque sorte aujourd'hui la téléologie de l'Europe. Parce que pour plusieurs États membres, c'est ça la réalité. Je crois que c'est une erreur profonde de raisonnement. En tout cas, ça n'est pas l'Europe que je veux. D'abord, j'ai rappelé chacun à la cohérence. Ça ne marche pas bien à 27, comment on explique que ça marche mieux à 28, 29, 30, 32? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, je n'y reviens pas.
on est trop lent à nous réformer nous-mêmes avant d'élargir. Deuxième point, les mêmes qui nous disent, la main sur le cœur, il faut élargir, nous disent, je veux un budget à 1%. Là, quand la tartine est plus grande et qu'on met moins de beurre, il faut étaler le beurre, on finit par plus le voir. Et bizarrement, à la fin, ça a un goût de tartine. Donc, si vous voulez, cette Europe, ça va devenir une espèce de grande chose qui est au fond un marché unique à coordination faible. C'est ça la vision qui est en train gravitairement de se faire. Et c'est une faute. Nous sommes dans un monde de puissance, on a besoin au contraire de plus d'intégration, de plus de clarté dans nos choix, de peser géopolitiquement, y compris sur des situations quand on le voit, ce qui se passe en Syrie aujourd'hui, on y reviendra peut-être dans vos questions. Ce n'est pas un grand succès pour l'Europe, hein, ce qui se passe. On hérite d'une situation commencée il y a 6 ans. Donc au contraire, à un moment où on a besoin de plus de puissance, de plus de cohérence, de plus de solidarité, de muscles, on dit non, on va continuer à élargir, comme on a toujours fait. Je ne crois pas que ce soit cohérent, surtout quand on veut baisser le budget ou le maintenir. Et donc, pour moi, c'est un désaccord sur la vision que nous avons de l'Europe, que j'assume. Ensuite, je l'ai dit, le désaccord pour moi reposait sur la nature du processus même d'élargissement. Je ne reviens pas, je l'ai évoqué. Pour moi, on doit ouvrir de nouvelles discussions, parce que, nonobstant ce que je viens de dire, ouvrir une discussion ne veut pas dire élargir. Néanmoins, il faut qu'on soit clair avec nous-mêmes. Toute adhésion supposera pour moi d'avoir d'abord fait ces réformes. Mais ouvrir une nouvelle discussion suppose d'avoir réformé les règles de l'élargissement et donc qu'elles soient différenciables et réversibles. Et ça, c'est, je pense, aussi très important. Et puis enfin, il y a la vision de la région. Moi, j'ai écouté hier ceux qui disent qu'il y avait une quasi-unanimité pour faire rentrer l'Albanie et la Macédoine du Nord ne disent pas la vérité. Il y avait sans doute une large majorité, sauf quelques-uns, donc une écrasante majorité, je suis même prêt à dire, pour la Macédoine du Nord. Mais il y avait une bonne moitié des États membres qui disaient « l'Albanie, c'est pas pareil, hein. Nous, on veut pas qu'il rentre ». Je pense qu'ouvrir les discussions d'élargissement avec la Macédoine du Nord en tenant l'Albanie à l'écart eût été une faute politique funeste dans la région. Et c'est cela, le seul consensus qui pouvait se dégager. Je pense que c'était une faute politique funeste. Vous auriez eu des mouvements politiques, sociaux, d'une violence inédite, non seulement en Albanie, mais dans tous les pays avec des minorités albanophones. Les conséquences sur le Kosovo et les pays voisins n'ont absolument pas été anticipées. Or, il est faux de dire qu'il y avait même une majorité pour ces deux pays ensemble. Donc là-dessus, je pense qu'il ne faut pas céder non plus à l'esprit ambiant. Je crois que ce n'était pas sérieux. Je reconnais tout à fait les efforts qui sont faits par messieurs Rama et Zaïev, qui sont deux dirigeants courageux. J'irai d'ailleurs les voir dans les prochains mois. On continuera le travail, mais on doit aussi nous-mêmes faire notre travail et ne pas se mentir à nous-mêmes. Donc moi, je ne suis pas obtus. Je pense que si des progrès sont faits, à la fois nous-mêmes, si je puis dire, sur nos propres procédures et avec eux, on peut tout à fait ouvrir quelque chose. Mais ça ne peut pas être une procédure comme on les a toujours eues parce qu'elles n'ont plus de sens. Puis après, ne nous trompons pas. On est en train de dire aussi des choses. Le jour où vous commencez à donner l'autorisation, vous me dites qu'est-ce que vous dites aux Macédoniens du Nord. Enfin, le jour où on leur dit vous commencez à ouvrir les négociations, bah, le lendemain, vous avez un questionnaire de 60 pages sur toutes vos règles. Vous pensez que ça change la vie des Macédoniens du Nord ? Puis on va leur dire dans 10 ans, vous allez peut-être rentrer. Vous pensez que c'est... Alors, ça ancre, ça arrime. Donc oui, il faut être dans ce dialogue stratégique qui arrime les pays. Mais peut-être plus efficace que ces questionnaires, c'est que nous nous posions la question de coordonner notre effort, notre investissement économique, culturel, comme je le disais, linguistique, de faire plus pour aider les peuples de manière directe, plutôt que de nous donner en quelque sorte des gages de bonne conscience, en nous mettant sur le toboggan de procédures qu'on ne maîtrise plus, avec une Europe qui devient, quand elle parle de ces sujets, une forme de canard sans tête. Jean Quatremer, Libération, pardon. Ici. Deux questions, si vous permettez. Une qui est plus psychologique, sur la désignation de Sylvie Goulard comme commissaire française. Qu'est-ce qui vous a permis de penser que Sylvie Goulard pourrait passer l'obstacle du Parlement européen avec les casseroles qu'elle traînait? Donc, je pense notamment à la Fondation Berggruen, sans parler évidemment de l'affaire des assistants parlementaires supposés fictifs du MoDem. Qu'est-ce qui vous a permis de penser que le Parlement européen allait accepter sans problème cette candidature, alors que tout le monde autour de vous vous expliquait que c'était une candidature extrêmement risquée? Et d'ailleurs, vous l'avez vous-même reconnu le jour même de son éviction.
Deuxième question, plus philosophique, si vous permettez, concernant la relation franco-allemande. Parce que depuis tout à l'heure, je vous écoute. Donc, vous dénoncez l'élargissement comme téléologie de l'Europe, le but d'arriver à un marché qui risquerait d'aboutir à un marché unique à coordination faible. Les gens qui veulent, effectivement, qui sont totalement incohérents en voulant à la fois élargir et baisser le budget communautaire, ceux qui sont prêts à commettre des fautes politiques funestes. On pourrait parler aussi de ceux qui massacrent depuis deux ans l'ensemble de vos propositions. Le budget de la zone euro, l'approfondissement de la zone euro, etc. Et c'est curieux, lorsqu'on regarde qui est en face de vous, à chaque fois, on trouve Berlin. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas sortir de cette invocation permanente, évocation permanente du couple franco-allemand, alors que ce couple, manifestement, gît sur le sol comme un hérisson écrasé? Donc, vous répondez à la tartine sans beurre par le hérisson écrasé. Alors, sur le cas de Sylvie Goulard, qui a beaucoup intéressé et parfois donné lieu, j'ai trouvé peut-être à des commentaires politiques excessifs sur leurs conséquences, parce que je ne crois pas que ni la position de la France ni l'avenir du projet européen ne se trouvent ni entravés ni bousculés par le vote du Parlement. Mais vous me posez une question psychologique, je vais vous répondre avec la même transparence. Moi, j'ai évalué lorsque j'ai proposé plusieurs noms. Je l'ai dit en toute transparence à Ursula von der Leyen. Mais je suis attaché à la collégialité de ce que doit être la Commission. Et donc, j'ai assumé de laisser une forme de choix, de liberté de choix, à la présidente élue sur le commissaire français. Parce que je pense que c'est une bonne méthode. Il faut que la présidente de la Commission soit à l'aise, que le commissaire ne soit pas imposé. J'ai évidemment pointé ces risques. Et ils ont fait l'objet d'une discussion avec la présidente élue, et celle-ci, quoi qu'il soit dit, avec les gens les plus stratégiques, parce que je connaissais peut-être les animosités qui avaient pu se créer dans la période estivale avec le Parlement. Ce qui est revenu, c'est que ces risques étaient, en quelque sorte, encadrables, qui pouvaient faire l'objet, qui n'étaient pas bloquants. Quand je regarde les choses en toute honnêteté, de là où je suis, je parle avec grande prudence, je ne parle jamais des affaires en cours, mais nous parlons d'une responsable politique qui a eu des revenus accessoires, vous l'avez rappelé, mais qui faisait l'objet d'une déclaration lorsqu'elle était membre du Parlement européen et qui était connue des membres du Parlement européen de l'époque comme d'aujourd'hui. Donc rien de neuf sous le soleil et qui n'avait pas fait l'objet ni de procédure à l'époque du Parlement européen ou de l'Europe. Donc ce n'est pas quelque chose qui a été révélé. Et d'autre part, en effet, vous avez raison, d'une affaire et d'une procédure qui est une procédure judiciaire en France, ouverte il y a maintenant plus de deux ans, qui avait conduit d'ailleurs en conscience à démissionner du gouvernement. Non pas être renvoyée du gouvernement ou quoi que ce soit, puisqu'elle n'était même pas mise en examen, mais considérant en conscience qu'elle ne pouvait pas être ministre des Armées et avoir une procédure ainsi ouverte. Mais après deux ans d'investigation, elle n'est toujours pas mise en examen. Donc, j'ai parlé de vulnérabilité, je suis totalement lucide, je ne suis pas ni têtu, ni aveugle, ni quoi que ce soit, comme j'ai vu ces choses-là. Mais elles ont été, par les gens qui étaient en charge du processus, perçues comme non rédhibitoires. Quand je regarde à côté d'autres commissaires qui parfois avaient fait l'objet de peines prononcées qui sont passées, vous ne m'empêcherez pas de penser, quand j'ajoute cela au fait que ce sont les commissions techniques et pas la commission jury qui a recalé Mme Goulard, que ces vulnérabilités n'ont pas été bloquantes pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des problèmes de moralité ou des problèmes juridiques, mais qu'elles ont été utilisées à des fins politiques. Je crois qu'on peut se dire la vérité sans polémique aucune, c'est une vérité. Et donc, on a essayé de réécrire l'histoire. Je pense qu'il ne faut pas salir la personne. Parce qu'on serait injuste à l'égard de Sylvie Goulard à dire cela. Elle avait ses points qui sont en cours. C'est la justice qui se prononcera, mais je pense que ce serait faux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé durant ces dernières semaines? Il y a eu des règlements de compte politiques entre les familles au Parlement. Il y a eu le commissaire hongrois qui a été bloqué, PPE s'est senti offensé, puis le commissaire roumain qui a été bloqué, les socialistes se sont sentis offensés, et ils se sont dit, on va faire payer le gros prognon et on va attraper celle-ci. C'est ça ce qui s'est passé. Et donc, là aussi, il faut être transparent, pas essayer de post-rationaliser, c'est pas le leadership français, il faut remettre les choses à leur bon niveau. Et donc, ce qui s'est passé n'est juste pas durable. C'est pour ça que j'ai souhaité la réunion de ce matin. C'est que les trois groupes qui peuvent constituer une majorité ont décidé de commencer un processus qu'on connaît, qui est un processus physico-chimique, qui s'appelle la pyrolyse.
ça marche pour nettoyer des fours ou faire des choses comme ça. C'est-à-dire, c'est, on ferme et puis on met en place les forces en présence et on détruit progressivement tout ce qu'il y a dedans. Ça a marché, il y a 3 commissaires en moins, chacun a abattu une tête. C'est ni plus ni moins que cela. Bah, la dynamique de pyrolyse ne permet pas d'avoir une commission forte, peut-être même qu'elle ne permet pas d'avoir de majorité pour cette commission. À coup sûr, elle ne permet pas d'avoir un projet ambitieux. Donc, je pense qu'il faut calmer les esprits. Je l'ai dit, pour moi, c'est un vrai dysfonctionnement, c'est une crise politique. Donc d'abord, moi, je note qu'il y a une sensibilité, elle est légitime, je la partage, je l'ai portée sur les sujets de moralité, de transparence. Je pense que la conclusion qu'on doit tirer de cela, c'est que ces sujets ont été instrumentalisés parce qu'ils ont fait l'objet d'un traitement profondément hétérogène entre les candidats. Et ils ont donc été utilisés politiquement. Donc, si on veut aller dans ce sens, créons, certains l'ont proposé, moi je soutiens cette proposition, une haute autorité de la transparence de la vie publique européenne, qui sera indépendante, elle doit être politisée, et à laquelle sont soumises les membres du Parlement, comme les membres de la Commission et des exécutifs, et d'ailleurs les principaux fonctionnaires européens aussi. Je pense que ce serait une avancée, on le fait dans tous nos pays, ça marche comme ça à coup de crise, mais si on politise ce processus, on va le détruire. Donc il faut l'institutionnaliser, je pense que c'est d'ailleurs une voie de sortie de crise pertinente de ce que nous avons. Et ensuite, il faut que politiquement, et c'est ce que j'ai souhaité faire ce matin en disant, moi-même je dois en prendre ma part, on doit rassembler. Je veux dire, on n'a aucune envie que notre Europe soit bloquée. Donc nous devons travailler ensemble avec nos différences, mais il doit au moins y avoir une espèce de ce que j'appelais cette majorité de responsabilité et d'ambition qu'on constitue avec les groupes parlementaires du PPE, de Renew et SND, qui permettent d'avancer, et au cas par cas, en associant même les Verts. C'est mon souhait. La discussion de ce matin a permis de rétablir cette dynamique, je le crois, entre nous, et de nous conduire à envoyer aussi les mêmes messages à nos chefs de groupes parlementaires. Et donc je souhaite que ce soit cette dynamique qui soit prise maintenant. Voilà. Donc voilà comment les choses se sont faites, voilà les conclusions que j'en tire et comment je pense qu'on doit collectivement avancer. En tout cas, je considère que le rôle de la France est de faire cela. Bon, après, sur le couple franco-allemand, j'ai eu l'occasion d'en parler il y a 2 jours quand nous avons eu un conseil des ministres. Est-ce que le couple franco-allemand épuise en quelque sorte, ou je dis épuise au sens où il remplit à lui seul la politique européenne et son ambition ? Non. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'ai multiplié pour ma part les contacts avec nombre de pays. J'en ai vu plus d'une vingtaine en bilatéral et j'ai réinvesti, comme je crois aucun de mes prédécesseurs, les relations bilatérales en Europe parce que je considère qu'on ne peut plus être dans ce tandem. Néanmoins, quand on ne sait pas se mettre d'accord entre Paris et Berlin, on a beaucoup de mal à avancer. Je ne dis pas que c'est une condition qui soit suffisante et qui soit absolue, mais elle est nécessaire, en tout cas. Elle est nécessaire. Et donc, nous avons besoin de poursuivre cet effort. Après, nous sommes à des moments de nos cycles politiques, de nos cycles économiques qui sont différents. Et c'est vrai que nous avons des visions, peut-être du monde, des choses qui ne sont pas les mêmes. Je l'ai dit lorsque j'ai fait le discours de la Sorbonne. La langue de l'Europe, c'est la traduction, pour reprendre la formule d'Eco, et il y a des intraduisibles. On doit faire ce va-et-vient permanent. Et il faut accepter de temps en temps de revendiquer l'intraduisible qu'on a chez nous, mais de savoir prendre le mot de l'autre et de tresser cela. Je ne crois pas qu'on puisse dire « déchirons le couple franco-allemand, l'Europe fonctionnera mieux ». Je ne crois pas du tout. Je ne crois pas. Donc il faut accepter ce couple. Et simplement, quand je regarde les choses depuis 2 ans, quand j'ai prononcé beaucoup de choses à la Sorbonne, on m'a dit « doux rêveur ». Formidable, mais doux rêveur. On a avancé sur beaucoup de choses. Ça va moins vite que je ne le souhaite, mais écoutez, budget de la zone euro, on m'a dit, vous n'aurez même jamais l'idée. On a le début, je souhaite qu'on aille plus loin, ça va faire partie de la discussion du MFF, d'accord. C'était une idée interdite au moment de la Sorbonne, idée interdite. On a fait la Sorbonne, on a attendu, on s'est battu, déclaration Meseberg, ensuite au niveau européen. Maintenant, ça rentre en application et on va continuer. Quand j'ai proposé l'initiative européenne d'intervention, les gens m'ont dit, vous êtes fous. Jamais l'Europe de la défense fera une initiative européenne commune. Bilan des courses. Les pays membres de l'initiative européenne d'intervention étaient au 14 juillet à Paris. D'autres sont en train d'être intégrés à l'initiative. Et cela existe en 2 ans. Ce qui, au rythme où on a avancé sur beaucoup d'autres sujets, est remarquable. Donc, simplement, ça demande beaucoup d'énergie.
Il faut mettre beaucoup de pression, il ne faut pas lâcher. Il faut construire, en effet, des alliances avec les autres. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'Europe ne doit pas perdre l'ambition d'un cœur de réacteur. La force, la volonté de traction de quelques pays qui, à un moment donné, peut-être ont plus l'énergie, la volonté, la conviction que si on ne va pas plus loin, si on n'intègre pas davantage, on se diluera. Ce dialogue se poursuivra, hein, mais je serai moins pessimiste que vous. Je suis moins pessimiste que vous sur les deux années. Je pense que si on caricature, en quelque sorte, on dirait bah, « ne faisons effort sur rien ». Écoutez, à Sibiu, c'était en mai dernier, l'Allemagne n'était pas sur la neutralité carbone. On a commencé juste avec les Pays-Bas, ensuite on était à 8 à Sibiu. Maintenant, on est quand même, on est à 25 maintenant. Donc les choses avancent et elles vont plutôt dans le bon sens sur tous ces sujets. Mais il faut du temps, de l'attraction. Ce que je dis simplement, c'est qu'il y a un choix stratégique. Je pense que nous, on doit aller beaucoup plus vite dans nos décisions, beaucoup plus fort dans nos investissements et nos choix clairs, avant de diluer notre énergie dans de nouveaux élargissements. Parce que c'est aussi ça qui nous rendra plus crédibles par rapport à nos voisins. Sinon, ils se disent, on rejoint des gens qui ne savent pas trop où ils vont, mais enfin, ils servent à table à heure régulière, et ça a l'air pas mal, et c'est mieux que... Et c'est comme ça. Et ce n'est pas satisfaisant pour nous. Donc, je pense néanmoins que le couple franco-allemand a un avenir, qu'il faut constamment le réguler les choses, mais que cet avenir, c'est notre volonté seule qui peut le bâtir. Donc, je ne céderai pas ni au défaitisme, ni à l'esprit de division, mais je continuerai à proposer, avancer, poursuivre, être dans ce dialogue, parfois lacunaire, mais y revenir à chaque fois, essayer de construire avec d'autres. Bonjour, Monsieur le Président, Valérie Lerouge, France Télévisions. J'aurais voulu revenir sur l'offensive turque et ses conséquences. Les autorités irakiennes ont fait savoir, et c'est un euphémisme, qu'elles n'étaient pas très favorables à récupérer les djihadistes étrangers détenus au Kurdistan syrien. Alors, quelle est l'alternative à ce transfert? Et est-ce que vous ne craignez pas que des djihadistes français, belges, comme on l'a vu ces jours-ci, s'évadent et en profitent pour revenir sur nos territoires? Écoutez, nous suivons évidemment avec le plus grand soin cette situation. Elle signe d'ailleurs l'immense responsabilité de la Turquie quant à sa complicité dans une possible résurgence de Daesh. Soyons clairs, les combattants, qu'ils soient de la région ou étrangers, qui sont aujourd'hui dans les camps au nord-est syrien, sont des femmes et des hommes qui malheureusement sont parfois avec leurs enfants, qu'ils ont amenés avec eux ou qu'ils ont eus sur les sites de guerre, qui sont venus là pour se battre. Ils sont allés là pour se battre pour le terrorisme et le califat de Daesh. Dans ce contexte-là, ils ont été emprisonnés. Les situations sont très différentes. Certains, peut-être, sortiront de leur camp et rejoindront à coup sûr les armées de Daesh, qui existent encore de manière éparse. Et ils rejoindront une situation de guerre. La coalition internationale continuant de lutter contre Daesh, puisque je le rappelle, c'est notre ennemi sur place, et c'est de là que sont partis aussi, de Raqqa en particulier, des attentats que la France a eu à subir, je le rappelle, en novembre 2015. Si d'aventure certains s'échappaient de ces camps et devaient se rendre en Irak, s'ils ont commis des faits sur le sol irakien, ce qui est le cas de beaucoup, ils seront judiciarisés en Irak pour ces faits. Et d'ailleurs, dans le cadre d'une coopération judiciaire que nous avons menée, construite, et que plusieurs autres pays ont construite. S'ils souhaitaient revenir en Europe, il y a fort à parier qu'ils, à ce moment-là, demanderaient à aller vers la Turquie, et depuis la Turquie, essaieraient de rejoindre le sol français. Parce que je le rappelle, il n'y a pas de possibilité de liaison par ailleurs. Dans ce cadre-là, ils intégreraient le protocole qui nous lie à la Turquie et qui fait que la Turquie nous signale ces cas sensibles, comme elle le fait depuis plusieurs années, qu'ils sont alors pris en charge à leur arrivée à l'aéroport en France, emprisonnés et judiciarisés. Voilà, si je puis dire, les trois cas possibles. Il est trop tôt pour dire quelle sera la réalité sur le terrain, mais il n'y a pas de ligne directe des camps du nord-est syrien à Paris-Charles de Gaulle. Donc, il faut cocheront forcément l'une de ces trois cases, et malheureusement, beaucoup de ceux qui sont dans les camps sont avant tout mus par la volonté de se battre pour le califat de Daesh. C'est pour ça que c'est une folie de faire ce que les Turcs sont en train de faire depuis plusieurs jours.
Yuri Kouchkevich pour le journal Le Soir. Bonjour, Monsieur le Président. Je voudrais vous poser une question dans le fil de la question de Jean Quatremer. Je reviens plus sur le cas de Sylvie Goulard, mais sur votre surprise qui a fait que, en fait, vous avez surpris. Enfin, tout le monde a été surpris de votre surprise, mais ça, vous avez donné votre réponse à Jean. Mais cette surprise continue un petit peu parce qu'on a l'impression que vous avez de la peine à désigner votre candidate ou candidat pour remplacer la candidature de Sylvie Goulard. Vous l'avez dit, d'ailleurs, vous avez jugé nécessaire dans ce cadre-là de consulter vos collègues chefs d'État et de gouvernement, notamment par le petit déjeuner de ce matin. Alors la question, c'est quel est le problème et finalement, est-ce que la surprise, c'est pas que le Parlement européen ne réagit pas au doigt et à l'œil d'un président fut-il français, et votre petit déjeuner, ce type d'initiative, n'est-il pas le signe que vous voulez, en fait, vous, chef d'État et de gouvernement, prendre le contrôle de la majorité au Parlement et organiser cette majorité directement? Merci. Non, d'abord, j'ai répondu à cette question. Ce n'est pas de surprise ou de difficulté, c'est juste que je considère que ça n'est pas qu'un problème de personne, c'est un problème politique et institutionnel. C'est une réalité, je l'ai décrite. Et donc, je ne considère pas que la réponse, c'est juste je change un nom. Non, je considère que le fonctionnement du Parlement, je le rappelle, la procédure, moi, je ne la conteste pas d'audition, est une procédure qui, d'ailleurs, stricto sensu, n'est pas celle de nos traités. Je pense que c'est une bonne procédure. Elle donne plus de force au Parlement. Mais il y a ce que fait la commission Yuri, il y a ce que font les commissions techniques. Ce n'est pas exactement ce qui s'est passé dans le déroulé. Et ensuite, je considère qu'il y a eu une politisation des auditions et un règlement de compte entre les trois groupes. C'est des éléments que je donnais en réponse à M. Quatremer. Donc le problème, à partir de là, je crois que c'est une réalité, n'est pas le problème d'une personne, c'est un problème de fonctionnement de cette majorité, parce qu'on peut continuer longtemps ce jeu. Donc dans ce contexte, il m'apparaissait important d'avoir un échange avec la présidente de la Commission, je l'ai eu lundi, avec la chancelière, on l'a eu dimanche soir, une coordination entre les chefs d'État et de gouvernement. Et c'est normal, parce que je rappelle que c'est la responsabilité des chefs d'État et de gouvernement de proposer leur commissaire à la présidente de la Commission. Ensuite, c'est pour avis qu'il y a cette procédure parlementaire, et puis il y a un vote sur la totalité de la Commission. C'est ça, la procédure. Donc moi, je suis tout à fait satisfait, je crois, dans la démocratie européenne, la démocratie parlementaire, mais je ne pense pas que ce soit prendre le pouvoir que de bloquer la capacité de toute majorité dans le Parlement à fonctionner. Or, c'était ce qui était en train de se dessiner. Donc voilà, je pense que les discussions de ces jours ont montré un apaisement, auquel on a, je l'espère, contribué. On montrait que ce n'était pas simplement un sujet de personne, mais aussi un sujet de capacité à bâtir le futur, qu'il fallait que toutes les rancœurs se calment, qu'il fallait que chacun se respecte, et qu'il fallait qu'on puisse ensemble construire l'avenir. Moi, je souhaite le dialogue avec tout le monde, dans le cadre de ces trois grandes familles politiques du Parlement, et avec les chefs d'État et de gouvernement. C'est le seul moyen de pouvoir avoir une commission élue, et de pouvoir avoir un programme ambitieux. Voilà. Donc il ne s'agit pas de répondre au doigt et à l'œil, il s'agit juste d'essayer de respecter nos traités, d'avancer efficacement et de construire ce qui est une nouveauté. Notre Parlement, il est en majorité constitué de parlementaires dont c'est le premier mandat. Et pour la première fois de son histoire, il ne se régule pas avec deux forces politiques. On a besoin d'être au moins trois forces politiques. Les trois qui ont permis d'ailleurs, en se mettant d'accord ensemble au niveau du Conseil et puis du Parlement, d'avoir cette présidente élue. C'est normal qu'il y ait du réglage, hein. C'est pas un drame. Mais je ne pense pas qu'il faille l'expliquer comme ça a été trop souvent le cas, comme des éléments de posture ou de non-compréhension du fait parlementaire ou autre. Il y a parfois aussi, vous savez, beaucoup d'hégémonie de certains partis qui avaient l'habitude de faire seul. Plus compliqué à trois. On va tous s'habituer, parce qu'on a tous de l'ambition. Moi, ce qui m'importe, c'est de faire. Ce sont des péripéties. Mais on est à un moment où il y a cette crise politico-institutionnelle, il faut la régler. Je pense que les derniers jours ont permis de le faire, et en tout cas, moi, je continuerai tous mes efforts en ce sens pour que les trois pays qui ont un commissaire à désigner puissent le finaliser dans les prochains jours, courant de la semaine prochaine, et qu'on puisse avoir une commission, je l'espère, au 1er décembre. Je prends une dernière question. Ri Momtaz de Politico. Je voulais rebondir sur ce que vous avez dit de votre réunion avec le Premier ministre Johnson, la chancelière Merkel et le président Erdogan à Londres. Vous voulez vous réunir pour remettre en cohérence ce que peut et doit être l'OTAN, deux semaines presque après l'incursion turque en Syrie. Est-ce que vous n'avez pas un peu l'air à côté de la plaque, un peu impuissant? En fait, quelle crédibilité
est-ce que les grandes puissances ont aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe en Syrie, et que c'est la Russie qui tient la corde finalement? Je partage plutôt votre indignation. Donc je pense que ça justifie qu'on se parle. Moi, j'ai compris qu'on était dans l'OTAN. J'ai compris que les États-Unis d'Amérique et la Turquie étaient dans l'OTAN. Et j'ai découvert par tweet que les États-Unis d'Amérique décidaient de retirer leurs troupes et de libérer la zone, comme tout le monde. Et j'ai compris qu'une autre puissance de l'OTAN décidait d'attaquer ceux qui ont été les partenaires de la coalition internationale sur le terrain pour se battre contre Daesh. Avec une part que je respecte tout à fait, la lutte contre le PKK et les terroristes, j'ai toujours dit au président Erdogan, et lutte que nous partageons. Mais beaucoup des forces démocratiques syriennes et des combattants de la liberté et des combattants anti-Daesh sur le terrain n'étaient pas du PKK. Donc je considère que ce qui s'est passé depuis plusieurs jours est une faute lourde de l'Occident et de l'OTAN dans la région. Faute lourde. Je pense que cela affaiblit durablement notre crédibilité pour trouver des partenaires sur le terrain qui se battront à nos côtés en pensant qu'ils sont protégés durablement. Il faut être lucide. Mais je pense que ça interroge aussi le fonctionnement de l'OTAN. Enfin, pardon de dire ça, mais il ne faut pas faire semblant. Et donc, il est important que nous puissions nous réunir et nous coordonner entre au moins les trois Européens et la Turquie. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut considérer que ça n'a plus lieu d'être. Au contraire, il faut essayer non seulement de comprendre, mais de voir où la Turquie veut aller et comment la ramener à des positions plus raisonnables qui permettent d'articuler sa sécurité intérieure et ses objectifs de sécurité intérieure avec aussi le respect de nos agendas et la juste solidarité qu'il y a au sein de l'OTAN. Et donc, je pense qu'il faut le faire en plein respect et en partageant. Ensuite, moi, la conclusion que j'en tire plus largement, c'est que la région du Proche et Moyen-Orient, c'est une région qui est stratégique et de voisinage pour l'Europe. Dans cette région, nous devons rebâtir une capacité stratégique, enfin une autonomie stratégique et capacitaire de l'Europe. Nous ne pouvons plus être les partenaires minoritaires d'autres, même si ce sont nos alliés. C'est tout. C'est la conclusion que j'avais tirée de l'événement de 2013 sur la lutte contre les frappes chimiques, qui nous avait permis d'ailleurs, si besoin était, de faire seul des frappes et qui nous a permis l'intervention le 13 avril 2018. J'ai hérité de cette situation. On a essayé au maximum, si je puis dire, de pousser sur le plan diplomatique notre place, notre position, en tant que Français et qu'Européens avec la chancelière. Force est de constater que la position que nous avons acceptée il y a un peu plus de 6 ans sur ce théâtre d'opération nous a mis en risque parce qu'elle nous a fait dépendre d'autres. Et je ne peux que constater qu'aujourd'hui, dans la région, ceux qui sortent gagnants, par la loi du plus fort et de l'état de fait, c'est la Turquie, la Russie et l'Iran. Je ne suis pas sûr que c'était exactement l'élément stratégique qui était le plus pertinent, ni pour l'Europe, ni pour les États-Unis d'Amérique. Voilà. Donc il nous faut tirer les conséquences de cela pour ce qui se passe sur ce théâtre d'opération, mais aussi pour nous-mêmes. C'est aussi pour cela que je crois, depuis maintenant plus de 2 ans, que l'Europe a besoin d'une véritable autonomie, d'une Europe de la défense véritable. C'est ça, redevenir une puissance stratégique. Sinon, nous sommes des forces d'appoint qui subissons des changements de position de revers. Ça veut dire que tôt ou tard, on n'existe plus. Je ne suis ni pour l'effacement de l'Europe, ni pour l'effacement de la France. C'est une autre politique que nous avons choisie et que nous assumons en Afrique. Elle nous permet d'avancer plus clairement. Et donc, nous avons à réinterroger notre politique militaire et de voisinage sur ce point. Je vais devoir filer. Pardon d'interrompre ainsi cette conférence. Et merci pour votre patience et vos questions.